Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à ceux qui se lèvent. Ma migraine vient de se terminer il y a très peu de temps. Donc j'en profite pour tourner une petite vidéo. J'ai dû prendre mes médicaments du matin. Il est 2h17. Ah oui, nuit blanche encore une fois. Donc après... ça va pas être évident aujourd'hui. Donc je voulais changer de coiffure. Le petit élastique pour défaire la tresse. Alors j'en profite, hein, vu que je me vois, pour pour me décoiffer, me recoiffer. En même temps, ça vous donne des idées. Donc voilà. Je suis pas la tête en je suis concentrée sur ce que je fais. Ah, ça fait drôle, hein, de voir les cheveux. Les cheveux comme ça. Voyez qu'ils prennent bien le pli. Donc, je commence par les pointes, tout le temps. Et je fais en remontant. Vous avez vu la comparaison? Il en faut peu, il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Alors,
là, il va falloir que je démêle. Que j'enlève la laque. Pour faire une raie au milieu. Oh. Si on ne démêle pas. Ah, désolé pour la voix. Elle fluctue toujours. Donc, au milieu. Ouais, mais j'ai pas fait l'arrière. J'ai pas fait le dessous. Oh non, je n'arrache pas les cheveux, je les tiens, vous inquiétez pas. Sauf que derrière, enfin en dessous, il y a des sacrés nœuds. Encore un peu de migraine, donc j'ai les yeux qui pleurent. Vous inquiétez pas, j'ai pas mal. Donc une raie au milieu. Elle va se placer à peu près là. Qu'une fois démêlé, c'est nickel. Donc une raie au milieu, et comment qu'elle fait sa tresse. Que de cheval route. Alors, je commence par dégager les oreilles, reprendre le tout. C'est bien au milieu, marais, mais si. Là, ça tire. C'est pas le côté le plus marrant que de cheval haute. Ouais.
On rebrosse. Si, si. Oh bah, ça défait tout. Voilà, on tient et on brosse. Bon, là, on replace la queue de cheval. C'est par endroit. Se faire une jolie queue de cheval tressée. Des bras et de la patience. Et là, je suis obligée de m'arrêter là. Reprends le petit élastique. Deux cheveux. Et j'en ai un sur la manche. Là. Qu'est-ce qu'on fait de cette tresse maintenant? Attendez que je repose un peu mes bras parce que mes bras ont l'air pupus. Donc, je nettoie ma brosse à cheveux déjà. Chercher les épingles à chignon. Si. Elle est pas si haute que ça, mais bon. On va faire avec. On va venir tortiller la tresse sur elle-même pour faire un chignon et on rentre le bout dans le chignon.
Là, faut mettre les épingles. Je commence par fixer le chignon au cuir chevelu. J'en mets 4. Déjà là, ça tient bien. Plus dans le chignon. Là, j'en mets 2-3. Donc voilà. Inspiré par Poppy. La chaîne Poppy sur YouTube. Donc elle propose des coiffures pour cheveux longs. Et franchement, bah merci Poppy parce que ça donne des idées. Ça change. Voilà. Donc, brosse à cheveux propre tout le temps. Si vous savez pas quoi faire de votre peigne. Voilà. Bah, ça fait du bien, sauf qu'on pourrait faire, tiens, 2 tresses en plus. Mais bon, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de peigne, ils se sont mis tout seuls. J'ai un coup de froid. Brouh. Ah oui, non, mais là. C'est pas chaud tout d'un coup. C'est peut-être que j'étais en légère température tout à l'heure. Fatigué. Désolé pour les doigts jaunes, hein. J'ai pas eu le temps de faire mes ongles non plus. En train de respirer de l'eucalyptus. Ah oui, c'est de l'eucalyptus, c'est pas de la menthe, ça. Bah, ça fait du bien.
Quand on a mal à la tête. Faut que ça respire. Ah oui, l'état des yeux. J'aurais besoin de vacances. Sérieusement, me reposer. Ça fait 10 années que je suis pas partie en vacances. Je prends le temps, hein. Ah bah oui, il faut prendre son temps. Non, parce que là, si je respire pas, après, il va plus y en avoir. Puis je vais me dire, mince, j'en ai pas profité. Donc là, ça fait du bien. J'essaye de respirer par le nez. Mais bon, j'ai extrêmement de mal à respirer par le nez. Ah bon, il n'est pas si haut que ça, mon chignon. Mais bon, il y a les cheveux aussi, hein. Je vais me mettre en pause parce qu'il faut que j'aille au petit coin. Voilà. Bon. Bah, ça va quand même largement mieux que tout à l'heure. Ah, je me sens soulagée là. Petite cigarette. Bah, j'ai pas beaucoup fumé. Avec la migraine, on fume pas beaucoup. Encore un bout de bois.
Comment que ça fait du bien de se sentir mieux. Oh. Puis en même temps, ça fait du bien de se coiffer quand on a la migraine. Si, si. Alors, je vous souhaite un bon petit déjeuner pour ceux qui regardent les vidéos le matin comme ça vite fait avant le travail. J'ai franchement eu du mal à passer la migraine là. Cette nuit, elle était costaud, hein. Elle a dû s'arrêter à 2h15, quelque chose comme ça. Alors de 20h à 2h15, vous imaginez. Ah, pas lol, hein. Et pour l'instant, je suis pas fatiguée, donc ça va. Mais bah, je me passerais bien de ces migraines. Bon, là, ils sont tout ondulés. Franchement, essayez l'eucalyptus en vapeau là, ça aide bien. Alors, je vais pas hausser les sourcils parce que j'ai encore un fond de migraine. Donc non, je ne suis pas sévère. C'est que j'ai mal aux yeux. J'ai du mal à supporter la lumière hein, quand c'est comme ça. Je vais voir avec la doctoresse la fois prochaine pour avoir un traitement de fond parce que me faire des nuits blanches à cause de à cause d'une migraine
bah, y a pas que moi dans la famille. Hein. Par contre, les garçons, eux, il n'y a pas de problème. C'est marrant, ça touche que les filles. Non, je vais arrêter d'hausser les sourcils parce que ça fait trop mal. Alors, Poppy, ça s'écrit POPPY. Vous cherchez Poppy sur YouTube, vous allez la trouver. Franchement, pour celles qui ont les cheveux longs, bah, ça donne plein d'idées. Celle-là, c'est inspiré de celle pour faire du sport. Et je vois pas pourquoi, c'est que pour du sport, ça. C'est très joli. Non, non, je souris pas, j'ai. Je crois que c'est l'eucalyptus qui me fait du bien, en fait. Donc je laisse tourner. Je sais même pas si. Ah oh oui, il en a encore largement. C'est un petit flacon. Alors moi j'ai dilué un. J'ai mis de l'eau et de l'eucalyptus. Comme ça, la mèche, elle absorbe bien tout. Et puis, ça suffit. Franchement, je vais amener mon album photo à finir au GEM. Comme ça sera fait. Je sais pas si elle est au milieu. Je m'en rends pas compte. J'ai pas l'habitude d'en faire au milieu. Pas trop au milieu, mais bon. Ça fait combien de temps que j'ai pris quelque chose? J'ai pris à 1h du matin, ça va faire 2h. Il va falloir finir cette sacrée. Ouais, je vais prendre de l'ibuprofène parce que j'ai pris du paracétamol. Et il faut finir le fond de migraine parce que sinon ça se finira jamais.
Donc, je garde les autres pour dans la journée. Mais non, mais grave de chez grave. Alors, vous serrez pas trop le chignon, hein. Bon, j'ai la masse de cheveux quand même. Et où le troisième? Ah, il est là. Je vais m'en rajouter une. Voilà. Histoire que ça tienne bien. Ben, faut attendre que ça se passe. Alors, si je hausse ses sourcils, c'est pour ouvrir les yeux. Parce que c'est la lumière qui me fait mal. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Bon, ses yeux tout rouges. Et après, on va se demander pourquoi j'ai des cernes. Ben déjà là, regardez le produit. Il n'y a pratiquement plus rien. Et là, il n'y a plus qu'un trait. Non, là, ça, c'est des feux de joue, hein. C'est avec la migraine. Là, du coup, elle va se finir définitivement. J'espère que je vais passer une bonne journée. Il est presque 3 h du matin. Bah, c'est loupé pour la nuit. Je vais mettre en pause, je vais boire un petit café et je reviens. Parce que là, suffit pas des médicaments, mais d'un bon coup de café et ça repart. Alors là, ça va être un senseo. Si, si. Ah, j'ai décidé. Ça va bien du café cafetière fait à la main. J'ai besoin d'un vrai café Senseo. Un bon café Senseo. À tout de suite. Me voilà. Je sais pas où est-ce que je trouve les poils de chat, mais bon. J'en trouve. Désolée, c'est le café. Donc.
Ah oui, je me suis commandé des élastiques transparents et un coupe et des coupes élastiques. Ah oui, bah Poppy m'a inspiré. Donc voilà. Donc j'enregistre ces vidéos pour les suivre. Mais bon, je ne sais pas si j'utiliserai à nouveau, maintenant que mes cheveux sont longs, le fer à lisser. Parce que déjà que j'utilise pas le sèche-cheveux. Je ne sais pas si j'utiliserai le fer à lisser. Franchement, voilà. J'ai les cheveux qui sont impeccables, sans fourche. Ça, c'est quelque chose de super. Donc, je tiens pas les esquinter. Oh, je m'en suis déjà servi, hein. Fer à lisser, fer à boucler, fer spécial boucle, etc. Bigoudi. Bigoudi, ça marche très bien. Bigoudi sur cheveux humides, c'est impeccable. Ah, il boucle tout de suite, hein. Petite cigarette pour après le café. C'est peut-être l'une des dernières d'ailleurs. J'ai plus de tabac. Mais bon, j'ai préféré acheter de l'alimentaire plutôt que du tabac. Et pourtant, je suis fumeuse. Je pouvais pas tout faire. 17 euros de course, allez hop, pour avoir trois fois rien. En prenant le moins cher de chez Leclerc. Bon, il m'en reste pour encore une. Mais bon, après, si dans l'après-midi j'en sens le besoin, je peux demander quand même à des copains. Copains, copines. Hein, des amis, quoi. Ne cherchez pas la petite bête, il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Ça pèse beaucoup moins lourd en chignon que lâché les cheveux.
J'aime bien faire des chignons. Puis en plus, au moins, ils sont pas devant les yeux. Mais bon, comme elle a conseillé de pas tout le temps faire la même coiffure, je change. Ça fait vraiment du bien, un coup d'eucalyptus, ça faisait longtemps. C'est appréciable. Ah, pour celles qui s'inquiètent, les saignements sont arrêtés. Ça a juste été un tout petit peu parce qu'elle m'a manipulé. Ça suffit. Suffit d'une émotion forte aussi. Mais bizarrement, quand l'autre m'a étranglé, j'étais tellement en colère à cause du chien que ça m'a rien fait du tout. Ah non, mais quand je suis en colère, je suis en colère, hein. Qu'on fasse du mal à mon chien, c'est pas passé. Le vieux pépère de 8 ans, il a rien demandé à personne, hein. Rien que de faire l'aller de chez moi jusqu'à presque la gare, il n'en pouvait plus. Du coup, je l'ai mis dans le déambulateur. Là, je l'ai poussé. Comme d'hab, quand je vois qu'il est fatigué, je le mets dans le déambulateur. Je le laisse se reposer. Ah bah j'ai bien cru que la migraine allait pas se passer. Il faudrait que je ressorte mes pattes d'encre. Mais d'abord, il y a le restant à faire dans le salon.
me quittez pas, si je reste immobile, c'est parce que j'ai eu un petit vertige. C'est parce que c'est les cervicales, elles sont pas. Voilà, oui. Ben, faut bien les détendre de temps en temps. Je vais essayer de vous montrer mon. Si vous allez la voir, voilà, c'est cette machine-là. Voilà, c'est ça qui fait tant de bien. Oui, bah ça a coupé. Attendez que je ramasse tout, parce que j'ai tout fait tomber. Ah oui, non, mais ça c'est. Faut pas chercher, j'ai pas dormi. Enfin, j'ai dû dormir 4 heures. Donc voilà. C'est tout qui gratte. Ah non, j'ai pas le doigt dedans. Ça me gratte à l'intérieur. Bah oui, ça arrive. C'est des bulles que je vois là. On dirait bien des bulles à la surface de l'eau. Ah non. J'ai pris ça pour des bulles. Quand vous voyez que ça, vous avez l'impression que c'est des bulles. Faudrait peut-être que je prépare les petits cadeaux. Ah, petits cadeaux. Petits cadeaux. Qui dit petit cadeau? Ah non, ça c'est vos découpes. Alors, j'offre pas les découpes qu'on m'offre. Elles sont là. Cadeau, ça j'en ai préparé que 4 alors qu'il y en a 5.
Il y a 5 personnes. Pas de jaloux, on met à peu près les mêmes choses. Tiens, un mail. Voilà. Ça. Non, parce que j'ai été démonstratrice de, chez Frédéric M. Ça n'a pas marché. Donc, il me reste des petits trucs. Donc, eh ben, je vais en faire profiter les copinettes. 1, 2. Ah, ben, il y en avait déjà 5. Donc, je vais enlever celle-là, qui est moins intéressante. Voilà. Après, je crois qu'il va falloir que je refasse ces gnomes. J'en ai combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce n'est pas un dixième? Ah si, 10, ah bah ça en fera deux chacune, allez, on verra ça. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Après, ça date de il y a longtemps, donc enfin, même si ça date de il y a longtemps, il y a toujours des trucs assez sympas. Bon alors, il faut que je fouille tout. Ça va être un petit peu au hasard après. J'ai des tags qui sont assez sympas.
C'est plus qu'un T. Ça, c'est pas mal. Après, faut que je voie hein, d'après ce que j'ai fait. J'ai les cheveux qui me grattent. Après, je vais pas offrir de la gnognotte non plus. Hein. Alors, c'est quoi de la gnognotte? Dites-moi, d'après vous. Allez, devinez. Bon, c'est pas dire. Comme ça. De la gnognotte. C'est de la et de l'échalote. J'ai beaucoup, beaucoup de tags qui sont vraiment très jolis. J'espère que sur les 5, 5 comme ça. Pardon, c'est le café. Je suis désolée. Bon, je suis en train de faire un gros tri. Après le reste, c'est pas très chouette. Ça me convient plus. Voilà. Puis ça, c'est un truc qui est... Après, j'en ai vu deux qu'on m'a offert, donc faut pas que je les offre.
Voilà, ça me fait un bon paquet. Faut que je rachète des enveloppes. Je vais mettre en séparation là. C'est tout. C'est tout pour le moment. J'ai vu que là, il y a à recoller. On va recoller. Est-ce que j'ai un pic? Je vais m'amuser à enlever ce que les gens n'enlèvent pas, alors que moi je le fais systématiquement. Quand on fait une découpe, il faut l'assumer jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait jamais si elle est bien passée ou pas. Comme celle-ci qu'on m'a offerte. Ah, celle-là, je ne l'ai pas. Hein. Donc c'est pour ça que je garde ce qu'on m'offre. Parce que j'ai pas les dies. Il y a la même. Après, c'est la personne qui s'embête à les faire.
C'est vrai, quoi, quand vous faites des découpes en cadeau, enlevez les déchets, quoi. Même si ça fait 1 heure. Tant pis, quoi. M'embête déjà à les faire pour les autres. Faut que je les fasse pour moi. Voilà. Mais je peux vous dire qu'il y en a des déchets. Non, mais c'est pas marrant. Donc ça, je m'en servirais bien. Encore un cheveu. Et des poils. Ça fait que 21 minutes. Bon, attends, on a discuté un peu. Pour l'instant, j'apprécie l'eucalyptus. Puis je reprends des couleurs. Mais moi, ça se voit tout de suite quand je vais pas bien. Bon, j'ai des frissons. Ça prouve que il y avait peut-être quand même une légère température aussi. Mais bon, ça c'est rare chez moi. Sacrément mal au crâne. C'est pas encore tout à fait fini là. Ça fait un peu mal aux tempes. Donc. Faut masser un peu. Ça se passe. Quatre ans moins de quart. C'est de la folie.
tomber cet après-midi. Bon, je vais vous laisser là parce qu'il n'y a rien d'autre de neuf. Il est toujours là. Ah, ça y est, je l'ai eu. Ouais, je vais vous laisser là. Je vous souhaite encore un bon petit déjeuner.